choisi le CEU parce que ça m'a permis de commencer ma première année d'études vétérinaires en français. Donc ça m'a permis de rester dans ma langue maternelle et de progresser à la vitesse que je voulais, l'espagnol. Et du coup, j'ai pu parler, enfin reprendre mes bases en espagnol à mon rythme. Et je ne suis pas tombée directement en espagnol où j'aurais été dépassée. Ce que j'apprécie le plus de cette faculté, c'est le campus international avec des gens qui viennent de partout, de toutes les nationalités. Et les professeurs qui sont très ouverts et qui ont en plus des connaissances partout dans le monde, donc ils vont nous permettre de faire des stages dans n'importe quel monde, parce que pour moi c'est très important de découvrir les cultures et de voyager, de pouvoir partir en Afrique, de pouvoir aller dans n'importe quel pays pour voir n'importe quel animal. C'est vraiment incroyable. Le réseau qu'on se fait ici, c'est vraiment génial. Je suis qu'en première année de vétérinaire. On a des pratiques toutes les semaines, une à deux pratiques, et on est vraiment en contact avec les animaux. Les professeurs, ils sont vraiment géniaux, ils nous encadrent. Je suis tellement contente d'être en école vétérinaire, c'est vraiment génial. Ce que je conseillerais à un nouvel étudiant, je lui dirais d'essayer de suivre les cours d'espagnol pendant l'été, parce que ça m'a vraiment aidé, en plus de me remettre à niveau en espagnol, ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui je suis cette année, mais aussi des gens d'autres filières comme journalisme, physiothérapie, et du coup ça m'a vraiment permis de les rencontrer, de faire des bonnes connaissances, et en plus d'apprendre la langue, ça m'a permis aussi de faire une visite de la ville avec des guides, de faire plusieurs jeux, des activités, c'est vraiment... Je conseillerais de suivre les cours d'espagnol de l'été.